Et coucou tout le monde, bienvenue sur le LP en compagnie de Monsieur le Pigman qui est en mode de knocker. Il s'en bat littéralement. Dis bonjour au viewer. Non, tu t'en bats les steaks. Ok. Bonjour. Viens. Non. Non. Viens. Alors déjà tu me regardes, c'est bien. Non? Non, t'es trop con? Ah voilà, il a fait un petit Bon, sinon, hormis le pigman qui est en train... Ah bah voilà, tu vois, quand tu veux, t'es pas con. Je vais te laisser vivant pour une fois du coup, parce que je voulais te buter au début, mais en fait non, je vais te laisser. Hein, t'es content, t'es mignon, t'es squelettique, et t'as une belle épée. Forte, lol, hop. Du coup, bonjour, bienvenue sur LP. J'ai rajouté quelques mods, notamment Better Foliage, qui est un mod qui rajoute un petit peu de relief sur sur les arbres un peu cubiques, hein, et puis au sol aussi, ça rajoute des herbes. Je trouve ça vraiment sympa, et ça rajoute aussi des petites textures de feuilles qui tombent sur le sol. Je trouve ça tellement classe. Je viens de cracher sur le micro. Tellement classe que bah du coup je l'ai laissé, je trouve ça magnifiquement bien. J'ai mis à jour quelques mods, j'ai rajouté également je crois un mod en particulier qui est justement JER, c'est Just Enough Resource. Qui permet de savoir un petit peu qui c'est qui pourrait looter quoi. Pour obtenir des éléments de droite et gauche, évidemment. Lol, il y a la... Ah, il y a l'ancienne U-Matter. Également, bah du coup, sur la redstone, on peut voir que il y a le village qui peut trader. Il y a les donjons, il y a la génération des minerais. Ah, ça dit pas que la witch peut faire ça. Normalement, witch, elle peut du coup lâcher les golden. Oh, c'est classe. Lâcher de la glowstone. Ah, voilà. Les mob drop. Donc là, on peut voir vraiment tout ce qui pourrait looter. Ainsi que les expériences et le taux de loot qui va avec, hein, avec un pourcentage de chance par-dessus avec le gros boss. Salut, toi. Donc voilà, un petit peu le mode. Coucou la witch, glowstone stick. Normalement, il ne donne pas de la redstone, la witch. J'ai un doute sur la witch. Ouais, il n'y a pas tout encore. Il y a le mod, je crois qu'il est en pré-bêta. Il bug un peu, mais bon. Il est sympa. Concernant les commentaires, vous m'avez dit de faire au niveau des golems une charde. Oui, c'est vrai que la charge, j'y ai pas pensé. Du coup, je me suis fait chier pendant X temps à faire ça. C'est à côté de la tour à villageois de Petit Golem. J'ai fait une tour à mob qui ne fonctionne pas du tout. Malheureusement, fonctionne absolument pas, ce qui est vraiment dommage parce que vu le temps que j'ai passé et le nombre de dispensers que j'ai mis avec les seaux d'eau dedans et les seaux de lave, bah les seaux d'eau plutôt. Voilà quoi. Ah bah ça va, ça produit plutôt bien. Je suis plutôt content. Bon, c'est pas non plus une Iron Trench, mais bon, c'est un début. Donc il y a les PNJ hein, que j'ai cherché pendant plus de 6000 blocs. Vraiment 6000 blocs. Hein. Oui. Voilà. Je suis allé les chercher ici. Hein. Je les ai retrouvés là-bas. Les fameux villageois. Donc... La petite tour à mob, j'ai les angels, hein, je les ai faites tranquillement. C'était pour les séparateurs à mob. Ça marche pas vraiment. Parce que je me suis merdé. En fait, je me suis. J'ai fait un truc ici qu'il ne fallait peut-être pas. En fait, ça va tout droit alors qu'il faudrait peut-être les séparer pour éviter qu'ils soient collés avec le courant. Comme ça, eux, ils partiront tout seuls. Je pense que c'est surtout ça en fait, et je voudrais bien qu'en fait les araignées aillent tout droit et crèvent là-dedans. C'est un peu plus complexe en fait, c'est vraiment plus complexe, c'est un peu dommage. Mais voilà,
Sinon, là-haut, en fait, c'est tout simple, hein. C'est des dispensers avec de l'eau qui font tomber les mobs. Je les ai fait de 2 ou 2 hauteurs. Ça pourrait peut-être popper... Ah, non, non. Ça aurait peut-être pu popper nettement plus. Mais voilà, bon, bah, en tout cas, ça met de l'eau à chaque fois. J'en ai chié pour tout faire. Et bah du coup, bah, c'est un peu chiant. Alors, il y a le chien qui est là. Il y a un Kit Kat et il y a le villageois. Je pense que les mobs en fait ne peuvent pas... comment... Ah bah salut. Ne peuvent pas en fait tout simplement capter le chat. Parce que les squelettes ils viennent. Ou le chien, je sais plus. Je sais plus l'une des deux. Le chat c'est pour les creepers. Le creeper il va bien là-bas, c'est pas le problème. Par contre le husky, il y a certains squelettes qui vont là. Alors est-ce que c'est à cause de l'eau? Qui est ici et ils voient pas le chien parce qu'ils sont retournés. Mais en tout cas les zombies ils tombent bien là parce qu'il y a les... y a le villageois donc. Ça marche un petit peu mais pas énormément. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu changer comme ça. Et il y a un truc aussi que j'aurais voulu savoir, si c'est bien une weakness et une golden notch, une golden apple pour transformer les villageois en zombies. Est-ce qu'il faut un village, un zombie villageois obligatoire ou un zombie de base? Je crois que c'est le zombie villageois, mais j'ai dû choisir un zombie de base pour l'avoir. Ça doit être surtout ça, donc du coup je suis un petit peu aisé. Donc, alors, ce qu'on va faire, bah moi j'irai péter la tour, hein, parce qu'elle sert absolument à rien du coup. Fait chier, hein, bon, mais bon. Tant pis, je mettrai des villageois. Je ferai ça plus en plusieurs fois, en plusieurs tours peut-être, parce que je trouve le design classe, je l'aime bien moi perso. À voir pour plus tard. Également, du coup, comme... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette super épée, qui est super classe. Et mieux que celle-là, parce qu'elle fait déjà 10 d'attaque de base. Le Nord Dragon, elle en a 12. Et je crois qu'il y a une version au-dessus. Bon après il y a la battle axe, c'est cool. Il y a l'armure. Voilà, il y a celle-ci. Ça c'est l'armure ultime en fait, elle permet de voler. Constamment, les mobs sont dirigés ailleurs, voilà, ainsi de suite. Ah j'avais mis de la cobble ici, ouais peut-être parce que genre ici ça générait pas plus que ça, donc j'ai mis de la cobble. Je sais même plus pourquoi je l'ai fait, mais et là, tu vois, 31%. Ouais, c'est cool. Donc voilà, aujourd'hui on va s'attaquer un petit peu à autre chose. C'est bien beau de faire ça. Par contre, je sais pas la maison si je vais vraiment m'en faire une ou si je vais me planter dans le sol. Ça serait con de pas pouvoir, sinon je l'implémente via MC Edit, hein, et puis YOLO. Parce que moi les maisons ça fait deux. Donc dites-moi si vous voulez que je l'importe, faites une grosse maison si vous voulez en vanilla, en purement vanilla 1.9, et puis comment, vous mettez les choix disponibles, et puis moi j'irai l'implémenter tranquillement, vous vous envoyez votre monde sur mon adresse de contact, et puis je prendrai du coup la meilleure pour, à la meilleure, celle que je j'apprécie le plus, et du coup je l'implémenterai ici. Ça pourrait être très sympa. Du coup, au niveau des villageois, j'en ai ramené aussi. Hein, j'ai ramené d'autres villageois, notamment des farmers, ce qui est plutôt sympa. Et il y a du foresterie. Il y a du petit foresterie. Du coup, bon, au niveau du sable, ça va. Le gravier, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aurais bien voulu... De toute façon là-dedans il n'y en a plus, est-ce qu'il y en a encore? Ouais, il n'y a quasiment plus rien ici. Mais ça serait cool d'avoir autre chose. Il y avait un mode que je voulais faire, j'ai complètement zappé ce que c'était. J'ai complètement zappé. Alors après je ne sais même plus ce que c'est.
Tech Reborn qui est un petit peu buggé encore sur certains trucs, mais tout fonctionne à peu près. J'ai bien dit un petit peu près, parce que il n'y a pas encore réellement tout. Par contre, la U-U-Matter, ce qui est bien, c'est qu'on peut la faire. Et on a les anciens crafts, pour ceux qui ont connu la U-U-Matter, c'était un truc très cheaté, surtout. Au début, c'était plutôt lent à faire. Mais une fois qu'on avait des solar panels avancés, 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 ça produisait tellement de choses, notamment pour l'iridium. Ça, je m'en rappelle que l'iridium, c'était un bloc qu'on voulait tous. Et qui était plutôt chiant. 151 secondes pour faire un bloc d'iridium. What the fuck? Vaut mieux le faire à la main, ça ira plus vite. Du coup voilà. Ouais, ça a l'air bugué, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est bugué. C'est vachement bugué. Bon, ça marche, à part la batterie qui est en mode lol. D'ailleurs, en parlant de batterie, normalement c'est la batterie de base. C'est bizarre. Donc voilà. Ah oui, je voulais faire des soul shards. Donc du coup, au niveau des soul shards. Il y a la Soul Cage qu'il faut faire. Donc obsidienne, redstone, lapis pour... Oh putain, il m'en faut 4 comme ça. Oh, c'est cher. La build dust. Bon, on va faire ce qu'il faut. On va se faire une petite Soul Shard tranquillou, pépère des familles. Dust. Je vais aller voir en dust. Ouais, j'en ai déjà. Deux. Hop. Alors. Non, c'était ça que je voulais faire. Comment ça s'appelle déjà? Soul. Ah, Soul Shard. Tuc. 2, 3, 4. Voilà, j'en ai 4, c'est parfait. Ah ouais, mais ça m'en fait qu'une. Waouh! J'avais complètement oublié que j'en faisais qu'un. Eh bah du coup on cuit, hein. Voilà. Tac, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça devrait le faire. Voilà, j'en ai 4. Je suis content. Je me fais ma petite casing, je suis content. Maintenant, il nous faudrait un petit levier pour activer, désactiver le spawner en cas de problème. Je sais qu'il me faut une glowstone. Il me faut du quartz. 1, 2, 3, 4. Et il me faut de l'obsidiane. Ouais, j'en ai plus beaucoup, mais heureusement j'en ai. Et un fucking diamant. Heureusement que j'en ai pour ça. Pour avoir ma petite shard fétiche. Donc normalement, si le pattern, je me souviens, parce qu'il a changé entre les différentes versions. Glowstone au milieu. Quartz sur les côtés. Diamant. Obsidienne au milieu. Diamant, clic droit. Ouais, d'accord. Bon bah, ça confirme bien, c'est que c'est inversé. J'étais pas sûr, hein, mais bon, voilà. Une chance sur deux. Obsidienne, opsi, 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 quartz, quartz, quartz. Voilà. Du coup, ça pète tout et j'ai ma Soul Shard qui est actuellement en tier 0 et kill 0. Alors, pour obtenir plus de kills, il faut avoir un Soul Stealer 5 de préférence. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous killez un mob, vous avez au niveau de la shard, donc pour l'instant je l'ai rangée parce que ça dépendra si je bute par exemple un zombie, elle sera bindée en tant que zombie. Je ne pourrai pas la binder, il faudra que j'en refasse un. Donc, on refasse une plutôt. Voilà. Du coup, il va falloir, par exemple, si on veut aller chercher du golem, bah ces fameux golems, il faut soit aller les capturer, soit les faire spawner.
Les spawner, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner correctement, donc c'est pour ça que là, je vais aller chercher des buckets. Je vais enlever la lave et je vais les laisser dans le coco. Pour éviter qu'ils brûlent en fait. Si ça marche, c'est ça que j'ai un petit peu peur, c'est... Oh putain, il vient d'en spawner un. Hein. Crève plus. Putain, la lave de merde qui est tombée qu'après. Bon, tant pis. Y a pas un autre village, un autre golem qui voudrait pop? Ça serait cool. Eh les golems? Oui ou? Alors, je voudrais bien reconstruire comme ça. Est-ce que vous avez un modem ou... Un modèle de... d'Iron Trench qui pourrait être très sympa et qui produit bien. Cependant, qui est réalisable en 1.9.4. Pas les autres versions parce que des fois ça merde entre les versions. Et notamment... Comment notamment que... Bah que je puisse la faire sans trop de difficultés parce que bon j'ai pas très envie de me passer 150 heures à faire dessus. Malgré que j'ai envie de faire la grosse Iron Trench des familles, hein, celle qui produit énormément de fer. Cependant quand je regarde ce qu'il faut justement le faire, ça donne plus très envie de la construire en fait. Sinon j'allais dire de la faire, pour faire du fer, mais également la faire, pour avoir du fer, des tonnes de fer, mais il faut la faire en fer. Voilà. Vous avez 4 heures. Et du coup, voilà. Bon, sinon je voudrais bien un autre golem. Parce qu'en fait les golems, quand vous allez les taper, là vous allez peut-être avoir une chance d'avoir le golem. Une chance, parce que je ne sais pas si les golems sont autorisés à être capturés dans des shards. S'ils sont capturés, tant mieux. S'ils sont pas... Et j'espère qu'il faudra pas l'épée là pour les killer par contre. Ah, je pensais... parce que... Billsword... Bon, de toute façon, on peut avoir tous ces jeunes enchantes, c'est pas trop ça le problème, c'est surtout en fait que ça... personnellement, ça me ferait chier s'il doit y avoir une épée en particulière pour killer les mobs. En même temps, c'est pas plus mal parce que ça évitera de taper avec cette épée et du coup, elle sera bindée, peu importe le mob en question. Et sinon, c'est de binder justement avec un autre, une autre épée. D'avoir le type de mob qu'on veut. Donc c'est bien d'un côté mais c'est chiant de l'autre. Donc du coup je sais pas trop. Je sais pas trop ce que ça donne. Mais voilà. Bon, je vais attendre qu'un golem pop parce que sinon ça va être trop long dans les épisodes, ça va être un peu chiant et c'est mou. Du coup, les gens, alors, j'ai fait un deuxième étage. Alors, par contre, je ne sais même pas si ça va fonctionner ou quoi, ou qu'est-ce. J'espère que ça fonctionnera. En tout cas, ça a pas trop mis le sbeul au niveau des villages. Normalement, non. Puisque c'est considéré comme pareil. Les mêmes villages, même. C'est tout le temps la même chose. N'oubliez pas de mettre de la glace parce qu'on est dans une dans un taïga. Ou Extreme Hills, et l'eau gèle. J'ai dû refaire deux fois le pattern en fait, parce que l'eau a gelé. Et du coup, mettez un bloc directement dessus, ça va nettement mieux. Quitte à mettre un bloc réellement solide que ça. Oh, ça m'avait redonné la glowstone. Oh d'accord, c'est bugué. Peut-être c'est bugué, je ne sais pas. Du coup, on a un golem en bas. Est-ce qu'il faut que je la soulbande comme ça? Ah, Soul Band Iron Golem. Bon, c'est bon, alors ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà un bon choix.
Après, je suis en train de me demander juste une chose. Sachant que Matlang, c'est à partir de ça. Ah, il m'en faudrait peut-être une deuxième. Parce que en fait, j'ai envie de faire popper les golems. Mais en même temps, pouvoir les killer. Donc, qu'est-ce que je... J'ai plus assez d'opsy. Ah, par contre, ça, j'ai pas assez d'opsy pour ça. Exceptionnellement, je vais me faire de la duplication d'opsy. Exceptionnellement, parce que j'en ai besoin. Je vais me faire 3 stacks. Ah, ça fait que 3 opsies, hein. 3 stacks de cobble, c'est 3 opsies. Donc, normalement, ça devrait aller. Voilà, là j'en ai 4. Est-ce qu'ici j'en ai une encore? Ouais, j'en ai encore une. Donc ça, me faut le quartz. 4. Et normalement c'est bon. Alors par contre, je ne sais toujours plus comment c'est fait. Je crois que c'est comme... Non, peut-être... Peut-être l'obsidienne sur les côtés et le coco au milieu. Obsidienne côté. Peut-être que j'aille chercher un autre diamant, tiens, en parlant de ça. Diamant. Faudrait que j'aille aussi miner. Il faudrait que je fasse un live là-dessus, en fait. Ouais, c'est bien ça. Est-ce que je peux les combiner? Non. J'allais dire, on peut les combiner pour avoir un multiple, mais pas du tout. Donc, on attend que les golems pop. Pour l'instant, je vais foutre ça comme ça. Hop. Sneak, fort détail. Comment ça fonctionne? Peut-être qu'il faut un tir 1. Ah, c'est quand même 64. Bon, en tout cas, j'ai buté un golem. Ça m'a donné 6 de kill. Parce que sous Stealer 5, ça te rajoute 5 points de... Comme si t'avais killé 5 Iron Golem. Et le 6ème, bah, forcément, c'est le kill que t'as gagné. Donc au niveau des golems, bon, bah, je vais attendre que ça pop. Hein, parce que c'est pas que, mais c'est un petit peu lent. Est-ce que j'ai des citrouilles? Parce qu'au pire, je peux les faire popper de force. Pumpkin, je crois que ça s'appelle. Ouais, j'en ai. Est-ce qu'au niveau du fer, j'aurai assez pour me faire énormément de golems? Malheureusement, je crois pas. J'en ai 11. Ah, il faudrait y voir. Comment je pourrais qualifier ça? Déjà, cela je vais le laisser là parce qu'au cas où si ça bind avec celui-là mais pas l'autre, ce sera un peu con. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire hop. Alors, je fais gros, pourquoi? C'est pour éviter que les golems se barrent. Normalement, tac, 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 hop. Ouais, ça marche. Maintenant. Et de 12. Oh, c'est bon, ça fonctionne. Ouais, c'est cool ça. Bon, par contre, ça coûte un petit peu masse de fer. Non, c'est pas un wither épée. C'est pas un wither, c'est un golem. C'est un golem. C'est tout, c'est juste une tête. Bon, l'avantage c'est qu'il te redonne un petit peu de fer. Ouais, cool. J'ai tout pile pour faire un bloc. Bah le golem il a pas repop. Donc ça va être un petit peu long. Faut dire ce qui est. Je sens que ça va être très long, mais bon. Putain, il faut mettre la pune qui dit seulement après. Alors, 24, oh, ça va tellement vite, c'est fou. C'est ironique, hein, bien sûr. Bon, bah, je vais faire ce qu'il faut, hein. Je vais... J'ai 3 pumpkins. Est-ce que j'en ai encore des pumpkins? Parce que je me retrouve pas comme un... Oh, bah, de toute façon, j'ai des petites cocottes, donc ça va, c'est plutôt un problème. C'est pas un problème. C'est très l'ambulance dehors. Donc, bon, bah, on va le faire ensemble, hein.
Salut. Oups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Waouh, classe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah putain, mais allez, il m'en faut un de plus. Putain, je peux faire qu'un bloc. Nyeh. Bon, bah j'aurai pas ce qu'il faut, les gens. Ah, deux blocs. J'ai bu de fer, mais j'ai deux blocs. Hé, hey, golem! Ah c'est pas assez. Ah ça me pète le fion. Bon bah moi je vais m'occuper de ça. Hein. Je vais faire ce qu'il faut. Et du coup je vous retrouve une fois que bah je pourrai avoir au moins un tier 1 pour faire ceci. Donc à tout à l'heure. Bah du coup j'ai mon kill 60. Et normalement celui-ci va me permettre de pouvoir le mettre où qu'il faut. Voilà, j'ai un tier 1. Alors, j'ai fait ma petite structure là. Ouais, ça rentre dedans, ça c'est magnifique. Et du coup, quand on active, normalement, ça doit popper. Merde. Tier 1. Regarde ce que ça donne. Tier 1, du coup, c'est quelques golems par ici, par là. Hein. Ça doit être ça. Je ne suis plus vraiment sûr si c'est réellement ça. Ouais, c'est ça. C'est 2-3 villageois. Donc, du coup, je vais pouvoir utiliser celle-ci. Ou sinon, attendre que ça pop, et eux, je les kill, du coup. Du fait que ça spawn obligatoirement, je sais pas. Bon, bah, je vais killer, hein. Voilà, allez, bindé pour un golem. Donc du coup, bah, je vais killer tranquillement, hein, et puis du coup, je me retrouve une fois que j'aurai mes shards à gogo. Ça va durer très longtemps, hein, je suppose. Hein. Faudrait que peut-être je me fasse une battle axe, ma force. Mais... J'ai pas un autre sous Silver 5, donc dommage. Donc voilà, bon, allez, à tout à l'heure. Putain, ça pop, hein. Bon, les gens, du coup, ça fait quelques temps que je suis en train de m'amuser à la monter. J'en ai marre, hein. Et également, j'ai remarqué qu'il y a un truc que j'ai... peut-être que le créateur a oublié, c'est de l'activation par Stone du... Comment ? Du mob là, du spawner, parce que en fait elle est pas désactivable par redstone, donc du coup ça continue en boucle. Et bon, c'est assez chiant, mais ça va, il a mis quand même une limitation, c'est au niveau des mobs, quand ça spawn, s'il y en a trop, ça s'arrête. Bah, en tout cas dans son rayon d'action. Donc si c'est une tour à mob, version golem, ça peut aller quand même assez haut, et du coup pourrait faire crash un monde. Avec les golems, c'est pas trop un problème, c'est surtout, bah, il faudrait les killer, du coup. Et vu que, en difficulté 0, bah, il y a quand même des golems, donc du coup, va falloir faire attention à vos setups, vous avez intérêt d'avoir des Killer Joe derrière. En parlant de Killer Joe, je regardais un petit peu le système qui pourrait être suffisant pour pouvoir les killer. À part le Killer Joe d'Underio, je ne vois trop rien d'autre qui pourrait les défoncer, les one-shot. Ils ont quand même 100 HP les cocos, hein, c'est quand même pas rien. Bon. Sans HP, c'est quand même dur, long à descendre sur une petite épée. Bon, après bien sûr, ça sera possible de les faire avec une grosse épée, voire une battle axe. Normalement, elle va arriver à sa limitation.
mieux parce que je commence vraiment à en avoir marre du... Eh, reste là toi. Et sinon au niveau du fer ça va, il remonte très bien. Hein. Ouais, les derniers. Hop, je prends la dernière. Allez, le dernier. Voilà, elle est full la cocotte, c'est une tier 5. Alors aussi, vous pouvez faire en sorte que de briser des spawners, s'il a gardé le même système. Quand vous avez des spawners de zombies ou autres, vous pouvez toujours faire en sorte que quand vous faites un clic droit avec la soul charge sur un spawner Vanilla, je dis bien Vanilla, vous les brisez et vous obtenez un tiers directement. Un tiers, en tout cas bah, pour le début, parce que c'est 200 points par mob spawner. Donc attention à bien faire attention que c'est bien un spawner entier et c'est 200 kills gratos. Donc faites attention surtout à ça, faites attention, non, amusez-vous sur les spawners, au bout du cinquième en fait vous êtes tranquille. Ouais. Donc ça c'est clair. Après, nous on va se laisser là, c'est un épisode un petit peu court et long et puis mou à la fois. Je suis pas trop la pêche à cause de... Bah, déjà le record d'hier de KTP, pour moi en tout cas, on est vendredi je crois. On est jeudi, hein, donc mercredi on a fait le record de KTB qui s'est très bien passé et du coup j'ai voilà, et puis j'ai une nuit très agitée à cause des de la jambe. J'ai arrêté la rééducation parce que ça ne fonctionne absolument pas à mon niveau. Je retourne voir mon chirurgien très bientôt en semi-urgence, donc du coup voilà. Sur ce, bisous tout le monde, et puis aussi une pensée à monsieur Pierre concernant son chat, parce que c'est pas glorieux, sachant que ça restera peut-être les dernières semaines qu'on pourra voir le petit chat de monsieur Pierre. Donc du coup une pensée surtout au petit chat que j'ai pu caresser quand j'étais venu chez lui. Très mignonne comme chaton. Toute mignonne. Voilà. Bah, les bisous tout le monde. Restez en forme et éclatez-vous tant que vous êtes jeune. Voire vieux, hein, ça marche bien aussi. Tant que vous avez la pêche en fait. Amusez-vous. Bisous. Et ça je le pèterai parce que c'est de la merde. Ou peut-être le ferai autre chose. Je sais pas. Bon, enfin bref. Bisous.